Wouh! Bienvenue à Balcony TV Chamonix. On va écouter la musique des artivistes hip-hop. Alors, bienvenue les gars. Merci. Et allez-y. Merci. Tu sais que le monde ne tourne pas si mal. Activiste, un, ok, un, tiens, et ouais, ça t'est crevé, mais j'ai déjà fait plus qu'un signe. La guerre est déclarée, maintenant c'est man versus machine. Cette renaissance m'oblige à casser les habitudes. Rouge ou bleu, j'ai toujours eu du mal à faire passer la pilule. Serait-ce un rêve ou juste un plan? Faire retirer un implant, ça j'ai mis les deux pieds dans le terrier du lapin blanc. Tous veulent être acteurs ou dès lors devenir artistes. Moi je préfère rester amateur, mais hors de la matrice. Tu penses avoir fini de combattre, mon gars, mais garde tes armes. Pour la réflexion, trois artivistes valent mieux que quatre tes arts. Pareil qu'à l'UMP, là je l'ai vu, y'a pas de lézard. Je vais leur déclencher l'UMP, tu n'es plus qu'à tes arts. Y'a bien que dans Matrix que néo-fusionniste. Mais merde, ça m'attriste. Toutes ces idées néo-lutionnistes vivent dans la ville, des machines manquent de magie. Putain, la vie de mon gars, c'est pas comme ça que je l'imagine. Irrésistible est le choix, amical et imprécis. Machinal, car pour vous rester en plan est trop facile. Irréversible est le choix, animal et indocile. Marginal, car pour nous rester dans le rang est impossible. Ok, Fifi au champ, loco au scratch, artiviste cousin. Je t'avoue que ça m'attriste. Tous réglés comme des machines, perdus dans le flou de la matrice. La vie perd vite de sa magie, l'impression de parler dans le vide. En vrai, pas besoin d'être éveillé pour voir que ce monde part en vrille. Formaté dès la naissance, tous éduqués à obéir. Prendre plaisir à être dupé, dupé l'autre sans modestie. On t'apprend vite à rester droit dans le rang. Et toi, si tu contestes, toi, remets ta laisse et sois content. Accepte-le, c'est le tarif et tu le payes de ta vie. Tu trouves ça anormal, ouais, mais c'est l'ordre établi. Ta facture d'être crédit pour mettre à l'aise l'élite. Et ton système, dis-moi ce qui peut encore paraître crédible. Consomme, consomme. Acheter de console, c'est bien eux qui tiennent les manettes pour que t'acceptes ton sort. En somme, ils nous mettent la pilule, pas question de Morphée plus. Quitte à choisir, autant prendre celle de Morpheus. Irréversible est le choix, animal et imbécile. Machinal, car pour vous rester en plan est trop facile. Irréversible est le choix, animal et indocile. Marginal, car pour nous rentrer dans le rang est impossible. J'ai l'impression qu'ici le décor n'est pas réel. Les gens sont visibles, mais ont le corps et l'esprit dépareillés. Pareil même que depuis des tas d'années, on se fait bananer à se pavaner, à faire la merde pour ensuite l'avaler. On peut voir en vitesse comment l'autre procède. Croire que gloire et richesse se trouvent en ce que l'on possède. Entre besoin et désir, dur de composer. Vu ce qu'on nous propose, c'est sûr, nous amène à plus s'opposer. Stylaire que le confort est stylé, grâce à lui on évolue. C'est pas quand t'es à ta télé que le problème est résolu. C'est connu, tout est fait pour qu'on évite les alternatives. À être naïf à force, on a du mal à faire la diff. En étant passif, pas facile de forcer les barrages. Tu t'attaches à trop de mirages, c'est qu'ils ont posé les tarages. Savoir si ça me convient, si je me confère et puis m'adapte. Si je me convainc, les contraintes poussent à me dire, suis-je malade? Loco, artiviste. Merci. Wouh! Merci, merci. Wouh! Cool! Merci bien. Alors ça c'est un grand balcon, hein? Génial. Il fait un peu froid aussi. Ça d'ailleurs. C'est un bon balcon. Ouais. Hein. Chamonix. Voilà. Ok. Alors votre musique est super dark, super engagé, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Parlez-nous un peu de la scène hip-hop à Grenoble. Alors la scène, nous qu'on a l'habitude de faire, c'est quand même assez underground. C'est des choses où c'est quand même des petites salles avec pas énormément de public ou les très chaleureux. Et voilà. Y a après, il y a une grosse partie de la scène hip-hop qui est faite par Wazakrou. On fait partie de Wazakrou, c'est un crew encore plus grand qui fait beaucoup de choses, pas uniquement du hip-hop. Okay. Et c'est vrai qu'il y a une grosse partie de la scène hip-hop à Grenoble qui est faite. Ouais, super. Et la musique, les artistes qui vous ont influencé? On vient d'univers différents déjà à la base. Okay. Ouais. Moi, j'ai été beaucoup influencé par le rap américain. Ok, Mob comme quoi Deep, Mob Deep, M.O.P. Eminem. Ah, bien sûr.
Of course. Bien sûr. Je vous laisse parler pour vous, mais. Ouais, ben moi, je pense, ben, pour ma part, du coup, c'est beaucoup plus rap français. Genre Kenny Arcana, Furax, beaucoup de gens qui sont dans le rap indépendant. Jeff Lonner. Jeff Lonner, pour faire un gros big up à Grenoble, voilà. Et après, ben, je vais laisser mon poteau. Je suis sur la même longueur d'onde au niveau de la musique hip hop français. Exactement, ouais. Cool. Sur, avec des textes, avec la, de la musique un à texte. Un peu de rap américain quand même. Un petit peu. Un petit peu. D'accord. Et depuis combien de temps vous avez joué ensemble? Ben, Max, enfin Eni et moi, ça fait très longtemps qu'on se connaît. C'est comme si on était de la même famille. On a commencé à rapper il y a quoi 7 ans de ça, ensemble. Et après, on a rencontré une très belle rencontre avec Monsieur Nocive. Nocive Microphone. Qui Du coup, le groupe a un an. Un an. Un an. Et là, on et s'en le Scratcher. Loco, c'est ça, c'est loco. Bête de rencontre aussi. C'est le top du top. Voilà. Bête de rencontre. Nickel. Il est arrivé il y a moins longtemps, mais il est presque aussi efficace que nous trois réunis. Okay. Voilà. Et humainement, c'est un tueur. Nickel. Alors, donc là, vous finalisez votre premier album, c'est ça? C'est ça. Ouais, sous le nom d'Artivist, c'est ça. Ouais. Cool. Premier album. Dites-nous de l'importance de votre message et votre implication dans les hip-hop. Et ben déjà, ben alors le premier album va s'appeler Premier Impact. Oui. Et ben justement, c'est pour essayer d'aller, on fait du hip-hop parce qu'on a une facilité de s'exprimer là-dedans. Ouais. Pour des choses, moi par exemple en débat, j'ai beaucoup moins d'arguments que quand je rappe. Après ça, c'est pour ma part. Mais au moins, pour moi, le hip-hop, c'est fait pour faire passer un message. C'est du partage, c'est de la paix, c'est de la révolte aussi quelque part. Oui, bien sûr. On aime toucher là où ça fait mal en fait. On aime titiller un peu. Ouais, sur bien certains... sûr. Ouais, bien. Et on va écouter la musique où, sur Facebook, sur l'internet, YouTube. Il y a deux trois sons déjà, deux clips qui sont sortis sur YouTube. Okay. On tape Artivist, Artivist avec un S à la fin. Ou à Loza Mécénar, avec à qui on fait une grosse dédicace aussi. Voilà. Yep. Et sinon, on a un Facebook aussi, sur cool. Facebook, Artivist Lyrics, et vous tombez directement sur nous. Vous venez, vous likez la page et vous suivez. Voilà. Toujours plus, voilà. Ça fait plaisir. Et vous avez des concerts? Le 12 septembre. Voilà, septembre. On fait la première partie de la Bastard Prod avec DLC. Ok. Du coup, ils sortent leur nouvel album aussi, ça va être très lourd. À l'Empérage, le 12 septembre. À Grenoble. À Grenoble. L'Empérage qui est une des principales salles où les choses hip-hop se passent. Ouais. Sur Grenoble. Sweet. Voilà. Good times. Merci les gars. Merci bien. C'est un plaisir d'être là. And thanks for listening to Balcony TV Chamonix. We'll be with you again. Come back and join us. Au revoir. Balcony TV.